Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir à toi, Claire. Bienvenue. Ce soir, je fais une vidéo un peu spéciale. Je vous rappelle que ça fait quelques semaines, pratiquement une semaine, que j'ai mis une affiche là sur ma page où je vous ai déjà introduit quelqu'un. Il y a des personnes que je vais introduire dans notre travail. Donc, c'est la première introduction que nous faisons aujourd'hui dans le contexte de notre travail. Donc, j'inviterai donc. Hein, qu'est-ce qui se passe avec ces choses-ci? Ok. Je crois que. Donc, je vais inviter les premières personnes qui vont intervenir dans ces parts ici dorénavant. Comme ça que vous sachiez déjà les qui sont là et comment est-ce que ça va se passer prochainement. Donc, la toute première personne, c'est notre invité spécial d'aujourd'hui. Vous aurez le temps de savoir qui elle est, qui il est. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à partir de lundi prochain, nous mettons un nouveau programme sur pied. Il y a un nouveau programme qui est sur pied qui va consister à revenir à nos propres sources, quoi. La base de notre chaîne. Le pourquoi nous avons mis cette chaîne sur pied. Donc, on va revenir là-dessus. Parce que depuis longtemps, on est resté accroché à des idées, à des personnes qui parfois n'ont pas compris réellement ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Donc, il était question de recentrer un peu les choses. Donc, j'ai dit avec l'équipe que nous avons mis sur pied que à partir de la semaine à venir, nous allons nous reconcentrer sur les choses essentielles. Nous allons inviter des personnes sur ce plateau comme à l'époque. Vous vous rappelez, on a invité le professeur Patrice Ganan, on a invité des personnes du mouvement de la base, d'autres mouvements de la révolution en Europe, avec qui on a échangé clairement sur des questions qui touchaient le Cameroun. On a échangé sur les questions financières, sur des questions économiques, sur des questions de la révolution, sur tout, tout, tout. Parce que c'est important dans un mouvement comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, ça fait donc, comme je vous ai dit, pratiquement 2 semaines que j'ai proposé que ceux qui veulent rejoindre notre mouvement, ceux qui veulent rejoindre notre lutte, intègrent notre lutte, comme ça, pour que nous mettions sur pied quelque chose de clair, quelque chose de fort. Donc, ma chaîne est ouverte dorénavant à tous ceux qui veulent s'engager dans le mouvement pour la révolution. Et que chacun ait le courage et la force d'intervenir sans toutefois être obligé de partir créer sa page et avoir une personne après 1 mois, 2, 3. Pourtant, les personnes que nous avons ici pourraient directement adopter ces gens-là de façon que le message qu'ils ont à passer passe. Donc, si quelqu'un a des compétences dans un domaine qui ne se gêne pas, qu'il sache que ma page lui sera ouverte. Donc, pour continuer dans ce sens, je vais vous montrer. Le dernier prospectus que nous avons mis sur pied, un prospectus qui informe clairement par rapport à nos nouveaux travaux qui sont axés autour du travail ensemble, vous savez bien. Donc, voilà, je crois que Wilson est. Au sujet qui nuisent à notre mouvement, qui nuisent au Cameroun et qui permettent au Cameroun de décoller. Nous avons des personnes qui inversent l'Allemagne, du Cameroun, des États-Unis, de partout, qui vont intervenir par exemple parfois des questions qui posent des partis politiques. Bonsoir à toi, comment tu vas, mon frère? Ça va bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ah, mais chez toi, il fait encore chaud et je vois le soleil derrière toi là, je suis presque en Dieu. Ouais. Donc, tout à l'heure, avant que tu n'arrives, j'ai voulu te présenter déjà, mais je me suis dit non, c'est mieux que toi, tu prennes le temps de te présenter et que tu te familiarises un peu avec l'environnement, comme ça que les gens te connaissent. Et voilà, puisque prochainement, tu vas intervenir, c'est pas bien. Donc voilà, tu as la parole. Le terrain t'est donné de t'exprimer Ok. comme tu veux. Ok, merci Stevie et merci à tout le monde qui est en ligne d'avoir pris le temps de venir assister à cette introduction. Sinon, mon nom c'est Wilson et c'est vraiment avec beaucoup de joie, c'est vraiment un plaisir de faire partie de cette page qui s'est une page qui appelle tout le monde quoi, de tous bords, de toute nationalité. De venir partager ses connaissances, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et moi, c'est Wilson. Et
Je suis citoyen du monde, je préfère le dire ainsi. Sinon, mes passions sont la robotique, dans les voitures, le sport, comme tout bon Camerounais, pas seulement le football, le soccer, mais un peu de tennis, de basketball. Et aussi, j'ai un intérêt particulier à la politique. Voilà, super, super. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui personnellement t'a attiré dans cette lutte que nous engageons aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené personnellement à venir dans cette lutte que nous menons aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a amené? C'est vraiment le désir de voir les choses changer dans notre pays natal, premièrement. Et nous qui vivons à l'extérieur, on voit comment les choses se passent. On sait que notre pays mérite mieux que ça, quoi. Il suffit un peu de changement de mentalité, un peu de sérieux, un peu de planification, et les choses iront mieux, quoi. Et c'est vraiment le tournant, la clé était vraiment à partir des élections, bien que avant les élections, bon, j'avais toujours un intérêt particulier par rapport au Cameroun, mais c'est vraiment le tournant, la clé. C'était vraiment à partir des élections, quand on a vu, on a observé de loin ce qui se passe, et c'est ça qui nous pousse à s'engager un peu plus. Et c'est pas facile, je tiens vraiment à saluer et à féliciter tous ceux qui prennent le courage de montrer leur visage pour encourager d'autres personnes. C'est vraiment pas évident. Donc dans une révolution, bien changement de mentalité, il faut vraiment prendre des risques. Et il faut vraiment une génération qui est prête à se sacrifier. Donc quand tu es capable de mettre ton visage, c'est une forme de sacrifice aussi parce que tu cours des risques. Et c'est ça quoi, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment, je tiens à saluer tous ces gens, tous ces acteurs ou combattants, des combattants qui ne sont pas dans les deux bords, quoi, parce qu'il faut être conscient qu'il y a des gens qui jouent des doubles jeux, parce que la politique reste un jeu d'intérêt. Donc, il faut tenir ça, c'est vraiment un jeu d'intérêt, et ça dépend de quel bord tes intérêts sont. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Oui. Ok, super, super. Donc, en fait, pour expliquer à ceux qui viennent d'arriver, il y a quelqu'un déjà qui a fait un commentaire là, qui m'a particulièrement intéressé, qui disait qu'il faudra que je revoie mon problème de son. Il faut que je vous explique vite fait. Le matériel que j'utilise est un matériel très professionnel et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas beaucoup avec les téléphones parce que les téléphones n'ont pas une qualité. Comment dire, le téléphone n'utilise pas la même performance qu'un ordinateur. Et quand je fais des lives sur des ordinateurs, ça fait que la qualité du son est impeccable, tout est impeccable. Par exemple, voici un microphone que j'ai, qui est de très bonne qualité, que j'utilise généralement. Mais avec les téléphones, le rendu n'est pas le même. Donc, comme j'ai dit, à partir de la semaine prochaine, on reprend nos anciens formats. Donc, ça veut dire, on va continuer avec les appels via WhatsApp. Mais j'ai une nouvelle formule aussi que je vais utiliser avec vous. Donc, vous aurez le temps de découvrir déjà à partir de la semaine prochaine. Parce que la toute première émission de notre retour aux sources, c'est mercredi prochain. Et nous avons donc le privilège d'avoir Wilson avec nous, donc qui va aussi être un membre de ce projet, qui sera partie d'une pièce de ce projet-là, auquel je vous invite aussi d'ailleurs. Donc, parmi vous, il y en a qui ne sont pas dans la robotique comme lui, il y en a qui sont dans l'agriculture, dans la science, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui m'a marqué dans ton intervention tout à l'heure, Wilfried, c'est que tu as parlé de la compétence au Cameroun. Au niveau de la compétence, ça m'intéresse parce qu'au Cameroun, on a un zéro point de compétence. Il y a beaucoup d'incompétences tapis au Cameroun. Et maintenant, tout au long de ton intervention, peut-être, j'aimerais que, voilà, que tu as le temps, hein, donc on aura le temps, comme je t'ai dit tout à l'heure quand on a parlé au téléphone, de préparer le domaine dans lequel tu vas discuter avec les Camerounais sur cette question-là. Et
Donc, je peux déjà rassurer ici qu'au niveau expérience, je peux lui dire clairement ma position. Il a de l'expérience dans son domaine et je n'ai pas choisi des personnes qui vont venir sur cette page au hasard. Donc, faites-leur confiance, donnez-leur le temps qu'il faut, donnez-leur la patience qu'il faut et comprenez qu'on a besoin de toutes les pièces dans le choix de l'outil-là. Donc, c'était important pour moi que vous connaissiez son visage. Déjà, il n'est pas le seul. Je vous ai dit qu'on est pratiquement 5 personnes. Et ça fait 5 personnes qui vont faire des directs parfois sur ces pages, qui vont vous apporter chacun dans son domaine respectif des compétences claires. Si c'est que moi je dis aujourd'hui dans le domaine du journalisme, lui vous le dit dans le domaine de la robotique. Par exemple, il y a un exemple qui m'intéresse. La jeune fille qu'on appelle Maeva, qui a été présentée par Julio Dimitrisso, un danseur camerounais qui est l'un des deux premières personnes qui a fait ce qu'on appelle le travail national, qui a présenté une jeune fille qui aujourd'hui qui a été brûlée par sa grand-mère pour un morceau de poisson dont la main a été amputée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un ingénieur, toujours dans le domaine de la robotique, la motorique aussi, qui est arrivé au Cameroun, et directement il a mis sur pied un programme pour faire ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est une main synthétique, quoi, avec la robotique. Et la fille aura donc la possibilité d'utiliser son deuxième bras. Donc voilà dans les domaines dans lesquels on compte sur ça. Et c'est très intéressant. Donc chacun de vous aura la possibilité dans son domaine de venir interagir sur cette plateforme. Donc c'est cette raison pour laquelle Wilson est là. Et je salue encore vraiment ton engagement dans cette rue. Je salue encore ton engagement parce que beaucoup qui ont cette possibilité-là disent, ah bon, moi j'ai déjà bien passé. Je reste chez moi tranquille, je travaille mon argent. Quand je vais au Cameroun, je joue les riches. Donc, je dis encore salut, je dis merci d'avoir postulé. Voilà. Maintenant, comme on a parlé, je ne sais pas s'il y a un domaine en particulier sur lequel tu voudrais t'étendre. Là, je dis, voilà, tu as le micro, tu dis ce que tu veux dire. Et voilà, tu es libre, quoi. Oui, avant tout, je ne sais pas si tu peux partager le slide, si c'est possible. Sinon, je vais juste donner mon point de vue. C'est le Oui. sujet le plus fort, le plus important présentement, c'est vraiment la situation sociopolitique au Cameroun. Oui. Et c'est ça qui, bon, à part les commérages et d'autres informations, mais c'est vraiment la situation du Cameroun qui frustre tous ceux qui sont un peu concernés ou bien tous ceux qui ont encore un cœur vers leur pays, vers le pays du Cameroun, quoi. Et il y a vraiment une image qui m'a vraiment marqué et qui m'a beaucoup touché. C'est vraiment le cava pêche de Rapido. Il a fait un cava pêche, je me rappelle plus, c'était la semaine passée, où il montrait comment une image de Mamamoo Mouta. Comment est-ce qu'on le Oui. séquestrait au CET. Et tout à côté, on a nos compatriotes qui se discutent une Leadership, corde, quoi. Ouais, le leadership, oui. Non, c'est vraiment une image, comment on dit, une image qui vaut 1 000 mots, comme on dit. Et ça appelle vraiment à réfléchir. Ouais, donc pendant. Jusqu'à présent, et chaque jour, je me rappelle, tu avais invité un moment, il y a de cela 2 mois, tu avais invité les leaders à se rencontrer, vraiment, discuter des orientations et avoir des plans. C'est important de temps en temps de s'asseoir et de faire un résumé quoi, du parcours. C'est Oui. cette image que tu parles. Oui. Donc, pour moi, à la base, nous sommes tous des leaders. Parce que si on désigne un leader, c'est facile pour l'équipe en face de se focaliser sur ce leader et de le détruire. Une fois que le leader est détruit, c'est comme ça que la révolution meurt. Par contre, si on se comporte, on a les comportements, l'attitude des leaders, et ça va mieux. Il n'y aura pas de guerre de leadership, quoi. Sachant que chacun a cette mentalité de leader, quoi. Et le leader, c'est tout simplement une personne qui utilise ses ressources et fait tout pour qu'une tâche soit accomplie, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il peut utiliser pour
pour pouvoir accomplir sa tâche. En fait, c'est ça pour moi la définition d'un leader. C'est pas C'est très seulement très celui très qui bonne donne des ordres, définition. mais c'est aussi celui Oui. qui montre l'exemple. Celui qui est capable Aujourd'hui. de vraiment montrer l'exemple. Donc, Intéressant. vraiment, la situation actuelle au Cameroun nous appelle vraiment les combattants, tous ceux qui veulent un changement au Cameroun, de vraiment rester humble. Très important de rester humble et aussi de partager des bonnes informations. Il faut toujours, comme je disais tantôt, la politique, c'était un jeu d'intérêt. Il y en a qui utilisent cette situation actuelle à leur profit. Il y en a qui utilisent cette Oui. situation vraiment pour véritablement changer les choses au Cameroun. Et ils le font avec cœur et sans attendre quelque chose de retour. Tu vois, quand tu Oui. travailles ou bien quand tu fais quelque chose sans attendre quelque chose de retour, tu le fais avec plaisir. Par exemple, dans mon expérience, moi, je dis toujours, je n'ai jamais travaillé. Une fois que tu dis que tu travailles, tu es un esclave, en fait. Moi, je prends plaisir de ce que je fais partout, je travaille partout, tout ce que je fais. Je prends ownership de ce que je fais et je le fais comme si ça m'appartenait. Dans cet esprit d'entrepreneurship, donc, quand on fait des trucs, donc, ça vaut pas la peine de vraiment bagarrer pour des problèmes de leadership, de se donner des titres. C'est vraiment, il faut être focus, avoir des stratégies et évitons de communiquer nos stratégies en direct. Les stratégies, il faut faire un élément de surprise. On peut éduquer la masse afin de changer les mentalités. Mais les stratégies clés, évitons de les partager en direct. Ça doit se faire vraiment à huis clos. Et on doit aussi savoir qu'on a en face vraiment un gouvernement sanguinaire, je n'ai vraiment pas peur de le dire. Et ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Donc, soyons, ne prenons pas des risques pour nous lancer dans la gueule du loup, quoi. Ça doit être, utilisons les ressources qu'on a à notre disposition pour toujours surprendre l'opposition. Et si pendant qu'on discute, pendant qu'on bagarre, en face, ceux qui ont compris que le monde nous appartient, eux, les Chinois ont compris très vite, eux, ils passent le temps, ils achètent les terres un peu partout. Et ce matin, j'ai lu dans la page, j'avais vraiment un graphe dans la page de Le point de le Baume l'info. Prêt. Oui. Vraiment, c'était une page, un tableau qui montre les terres acquises par les Chinois en Afrique. Et Oui. curieusement, le Cameroun est en tête. C'est vraiment, vraiment choquant. Oui, c'est vrai que j'avais fait un live là. La dernière fois, quand le Cameroun avait vendu une grande partie de la Sanaga, une grande partie des terres qui Ouais. sont au niveau de la Sanaga, au niveau de, pas loin de Ebeda, là où le monsieur qu'on appelle Junior Zogo, il disait qu'il va appeler ses amis, ses contacts de là-bas pour empêcher à ceux qui défendent le professeur Kamto de passer là-bas. Et il oubliait que cet espace avait été vendu à la Chine. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est juste un. On avait déjà parlé de ça dans des Ouais, vidéos aussi. Je crois ça va. que On ne connaissait pas l'ampleur. Tu sais, quand on parle d'un Oui. sujet comme ça, et si on ne montre pas globalement, comparativement à d'autres pays voisins ou bien d'Afrique, on ne se rend pas compte de vraiment du mal, de l'impact que ça. Oui. Donc, on dit souvent, ce sont les images. Les images communiquent plus que Oui, c'est clair. les mots. Ouais. Non, c'est vraiment une image, c'est vraiment des images comme ça qui me font, qui me révoltent, quoi. Pendant qu'on se bat des personnes qui sont égoïstes, entre-temps, notre gouvernement sanguiné sont en train de vendre des terres parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et figurons-nous qu'au Cameroun, on a 4% des personnes qui ont plus de 65 ans. C'est seulement 4%. Et la jeunesse, c'est entre 20 et 65 ans, nous sommes environ 60%. Et pourquoi est-ce que
Tu sais, au Cameroun, il y a environ 48% des personnes vivent dans les zones rurales et très peu ont accès à Internet. Et 53% dans les zones urbaines. Et combien de personnes ont accès à Internet au Cameroun? Moins de Les 20%. riches. Voilà, les Okay. riches. Donc, on ne touche pas encore les personnes appropriées. Donc, c'est vraiment. Il faut qu'on se rende compte que ça va être un combat assez long et on ne doit pas se précipiter, on doit être patient, élaborer des stratégies, évitant de s'exposer avec nos querelles. Tout combat, aussitôt qu'il y a deux personnes et plus, il y aura toujours des conflits. Il faut savoir C'est les clair. gérer et choisir le lieu, le temps pour les résoudre. Il faut vraiment des meetings plus régulièrement pour les résoudre. Ceci dit, ça c'est, je voulais juste donner mon avis sur ce qui se passe sur la situation actuelle au Cameroun. C'est important de s'informer, de savoir ce qui se passe et de vraiment prendre position tout en gardant son intégrité. C'est de nos jours, beaucoup de personnes ont perdu l'intégrité, quoi. C'est très facile de vendre son âme, juste pour avoir quelque chose à manger. On ne pense plus au futur de nos enfants, on ne planifie plus pour l'avenir. C'est vraiment dommage. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui m'invite vraiment, qu'est-ce que je partage le plus, c'est vraiment dans le domaine de la robotique. Non, je veux pas. Contrairement à ce que les gens pensent, que la robotique a commencé dans les années 1900. Pourtant, ça a commencé il y a de cela 1200 ans avant Jésus-Christ, pour ceux qui y croient. Non, on aura le temps, tu auras le temps d'en parler. Oui. Aujourd'hui, il était Donc, important que les gens voient ta tête, qu'ils voient ton visage et qu'ils sachent que, bon, ouais. voilà, c'est carrément la cérémonie d'introduction à la chaîne. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il y a plus de 5 personnes. Et voilà une des personnes. Et retenez ceci, à partir de mercredi, nous mettons les programmes de notre chaîne sur pied. La page dont tu as fait mention. Il faut que j'en parle brièvement. C'est de cette page-ci que tu parles, non? C'est ce que tu as lu, ça, n'est-ce pas? L'information selon le. Avec les données Oui, de la Chine, là, les bon, dettes chinoises les plus. ouais. Oui, je vous le dis officiellement, c'est une page qui a été mise sur pied par un groupe de personnes et moi. Donc, si vous avez remarqué, vous allez voir la proximité entre les logos, entre les designs et ma page. Donc, c'est l'une des pages que j'administre. Et ça fait qu'il y a beaucoup de travail, comme je vous disais, donc ça fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément des amoureux des likes sur Facebook, vous pouvez directement avoir des informations par rapport au Cameroun sur la page le quad de l'info Diaspora. Je vous mets le lien de ça dans le live dans lequel vous êtes actuellement là. Pour que vous sachiez, c'est une page que j'anime avec beaucoup de personnes qui sont des communicateurs essentiellement pour la plupart. Donc, vous aurez le temps de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous ne vous perdrez pas, je vous assure. Les informations sont vérifiées. On a des correspondants dans beaucoup de parties du monde désormais, aux États-Unis, au Cameroun, en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre. On a aussi quelques contacts qu'on a établis avec la Belgique. Et notre objectif est de créer un média en ligne de façon que les gens aient accès à l'information vraie, qui ne soit pas l'information qui est censurée par la chat GPT. Qui n'est pas censuré par ce que telle partie ou telle autre partie dit. Nous voulons un média où il y a des experts dans des domaines différents. Donc, vous avez donc maintenant l'expert dans la chronique technologie et particulièrement en robotique qui est devant vous. Donc, mon frère Wissam, je crois que c'était pas mal pour cette fois-ci. Donc, on va OK. établir dans les jours à venir. Je vais te contacter dans un inbox, on va discuter pour établir un calendrier. Dès qu'on va faire un calendrier, ça veut dire en quelque sorte la grille des programmes. On va établir une grille de programmes. Maintenant, les gens sauront quand ils vont vouloir parler de technologie, quand est-ce que tu seras en ligne. Et voilà comment on va commencer à travailler. Donc, je te dis encore merci. Merci encore pour ton initiative.
Bon, merci encore vraiment. Donc, je te souhaiterais de passer une OK. bonne soirée. Et on se reprend directement derrière en inbox. OK, OK. ce fut un plaisir, oui. Bon, le plaisir est partagé. OK. OK. Tout à l'heure donc. En plus. OK. Voilà, il faut que je vous dise, aujourd'hui, ce qu'on va parler en deuxième partie, c'est quelque chose de très simple. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de polémiques sur Internet, donc je dis d'office. Si parmi vous, il y en a qui sont venus parce qu'elles attendent que je parle peut-être du live de Camo à la Panthère, que je parle du live de telle personne, je crois que vous avez choisi la mauvaise vidéo, je ne vais pas parler de ça. Ce n'est pas mon domaine de compétence, je suis ici parce que je veux qu'on travaille dans la cohérence. Hein. Je veux qu'on travaille, on garde notre ligne éditorial, on garde notre concept, notre approche de la lutte. Par contre, il y a quelque chose dont je veux que vous et moi on parle. Pour ceux qui sont dans le groupe, dans notre groupe WhatsApp, on en a discuté et je salue encore ici l'intervention de mon frère là qui m'a vraiment, qui m'a vraiment intéressé cette semaine quand on parlait du problème du MRC. Alors, il y a une question qui était très intéressante qui a été posée, c'était de savoir pourquoi est-ce que le MRC devient aussi compliqué à comprendre? Je paraphrase. Alors, il en ressort donc que depuis le MRC, il y a des questions au sein du MRC qui ne trouvent pas de réponse. Alors, le monsieur m'a posé la question de savoir, premièrement, pourquoi est-ce qu'on arrête tout le monde dans le MRC et qu'il y a des personnes qu'on n'arrête jamais? Pourquoi il y a des personnes qui semblent intouchables dans ce parti politique? Pourquoi et comment est-ce qu'on peut interpréter le déplacement de Maître Sim pour l'Allemagne? Quelles sont les conséquences que cela a pour le parti politique? Je vous rappelle qu'il y a une information très chaude encore qui est celle selon laquelle M. Bibou Nissak aurait des problèmes au sein du bureau de l'exécutoire au niveau du MSI au Cameroun. C'est important de le dire. C'est important d'expliquer ça. Donc, voilà les questions autour desquelles je veux qu'on discute maintenant. Juste vite fait comme ça, quelques minutes pour sortir de ce live. Déjà, il faut que je vous explique clairement que le MRC, comme je l'ai dit sur WhatsApp, le MRC est un parti politique qui a une configuration très démocratique. Très démocratique, pourquoi? Parce que vous allez entendre dans les jours à venir, il y a un syndrome qui est en train de passer aussi au Cameroun. C'est un symbole, un syndrome qui consiste à créer la division entre les créateurs de partis politiques et les leaders des partis politiques. Il faut que vous saisissiez bien ce que je veux dire. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a demandé à prendre la parole. La parole est ouverte à qui veut la prendre, vous pouvez intervenir. Je dis ceci. Il y a un virus au Cameroun qui consiste à créer une division entre les leaders des partis politiques et les fondateurs, les créateurs d'un parti politique. Le leader d'un parti politique n'est pas forcément celui qui a créé le parti politique. Pour exemple, je vous donne le cas Cabral Libi. Alors, deuxième exemple, c'est le cas qui nous intéresse le plus, c'est le cas du professeur Maurice Kamto. Alors, il y a au Cameroun depuis quelques semaines un monsieur qui est en train de faire passer un message dans les médias disant aux Camerounais que le MRC n'a pas été créé par le professeur Maurice Kamto, mais que le MRC serait né de lui, serait le produit de son travail. Alors, maintenant, il veut récupérer le leadership de ce parti politique-là. Alors, c'est pour ça qu'il est important que je vous rappelle déjà, parce qu'on va faire une édition très claire là-dessus, pour que je vous explique clairement les tenants et les aboutissants de ce parti politique respectable qu'est le MRC. Donc, si vous voulez, donc accordez-moi une minute, parce que tout à l'heure j'étais avec quelqu'un en live et c'est lui qui avait la priorité. Donnez-moi une minute que je branche mon microphone de façon que vous m'écoutiez bien et là qu'on discute clairement de cette partie-là. Alors il y a quelqu'un qui demande la parole. Donc je disais que vous m'accordiez quelques secondes, le temps que je branche mon microphone et là qu'on parle clairement, que vous m'écoutiez bien. Allô? Oui, on parle. Attends une minute, Steve. C'est pas la magie, ça. Bonsoir. Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Ton nom, Je n'ai c'est pas France envie de me Champagne. présenter parce que j'ai envie de parler dans le noir parce que je ne veux pas qu'on me voie. Il y a
Le Cameroun aujourd'hui est dirigé exactement comme la basse aujourd'hui est en train de se diriger. Ça fait 37 ans. On fait des propositions, on fait des grandes réalisations. Ça ne se réalise jamais parce qu'on parle toujours avec la bouche. On ne résout jamais un problème au Cameroun avant de proposer l'autre. Et c'est ce qui se passe dans la basse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de petits problèmes qui engendrent des petits problèmes qui font en sorte que l'évolution stagne. Et on ne veut pas résoudre un problème avant de partir sur l'autre. Et c'est ce que je reproche un peu beaucoup aux révolutionnaires. Ils se comportent exactement comme les 37 ans de Biya. Et il faut qu'on arrive à résoudre un problème et finir avec avant de proposer l'autre. Dans la base, il y a tellement de problèmes. Et en plus, je pense que ça se passe beaucoup qu'en Europe. Parce que je pense qu'en Amérique, peut-être dans d'autres pays, peut-être comme on ne sait pas, ils ne parlent pas beaucoup. On n'arrive pas à avoir le retour. Ce qu'on voit beaucoup dans les toiles, ce sont la basse France, basse allemande, basse Belgique. C'est là-bas toujours qu'il y a des problèmes. Et on n'arrive même pas à résoudre un problème avant d'aller sur l'autre. Exactement ce qui se passe au Cameroun. On veut construire des routes, on sort des budgets, on sort ceci. On ne fait jamais, on passe à la télé, on fait les grands communiqués, on fait les grands communiqués sur ça, on fait les grands, oui. On dit comment on va faire, on propose tellement, tout le monde écoute, on se dit, ah, ça va aller, et oui, ça ne va jamais. Oui, ma soeur, je comprends ce que tu dis. Juste une question, pardon. Est-ce qu'il y a un exemple concret que tu peux me donner, par exemple, par rapport à un problème, par rapport à la base, comme tu dis là? J'ai dit par rapport à la base, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord eu le problème de viol. On n'a jamais vraiment résolu ça. Après, tu as soulevé le problème d'argent dans l'ambassade. On n'a jamais vraiment bien résolu. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'initiative entre la base, le CCD et COR. On ne résout pas ça. Et tout ça, ça fait des guéguets dans la révolution. Et aussi, il y a aussi un problème qui s'est posé de très, très grave. Et que même toi-même, je me disais que peut-être tu devais être partiel et vraiment parler de ça et parler de la transition. Il y a eu vraiment de la transition ici en France. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui avaient vraiment accepté la transition. Mais peut-être aujourd'hui qu'ils se sont rétractés parce qu'on a sorti qu'il y avait la transition qui était en cours. On n'a même pas déjà un résolu ça. Aujourd'hui encore, on ramène déjà un autre problème de l'initiative que si on crée corps, on crée ceci, comme si corps amenait un autre problème. Il y a déjà tellement de problèmes. Mm-hmm. Il faut qu'on apprenne à avancer dans la vie. Et c'est pour ça, depuis 37 ans, on est dirigé de la même façon. On construit tout avec la bouche, mais on ne réalise rien. Et franchement, j'ai envie de dire aux combattants, asseyez-vous, vous vous réfléchissez bien. Vous pensez vraiment à ceux qui se sont levés vraiment pour la libération du Cameroun. Mm-hmm. Et laissez votre problème j'ai compris. Et fait, essayons d'abord de j'ai compris le point de ta pensée, ma notre révolution. Tu m'écoutes. J'ai compris le point. J'ai compris le point de ta pensée. Ouais. En fait, tu veux savoir. Tu as posé deux questions, en fait, deux questions fondamentales. La première question, je comprends que tu es du mouvement corps. Ça veut dire que je comprends que. Je ne suis pas du mouvement corps, moi je suis de la base. Tu es de la base. De la base parce que moi je suis sortie pour Kamto. Quand on dit Kamto ou rien, ou quand on dit je suis Kamto, moi je suis pour toutes les identités. Et moi je suis déjà un de la base. Donc je suis de toute base. Mais si on parle juste de la transition, si on parle du up-down électoral, moi, je suis dedans. Je suis pour qu'on biaparte, pour que le président élu Maurice Kamto prenne sa place. Donc, c'est ce que moi, j'ai dit. Et aussi, il y a les problèmes. T'es journaliste, tu le sais, on ne te dit rien. Mais il y a les problèmes qui ne se résout pas. Et il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent des autres problèmes. Et c'est ça, le Cameroun. Ça a été dirigé pendant 37 ans
pas le Le premier même problème dont on manège. a parlé, tu m'écoutes un peu, bon, juste vite fait comme ça, non, le premier problème dont on a parlé tout à l'heure, c'était le problème Ouais. de... Tu te rappelles, tu as parlé du premier problème qui était le problème de... du viol. Et j'avais clairement dit que le problème de viol, ce n'est pas quelque chose qui me concerne personnellement parce que il fallait, pour attaquer quelqu'un sur des choses comme celle-là, ce sont des choses très sérieuses. Il faut avoir des preuves claires. Tu vois un peu? Ça veut dire que je ne peux pas me lever, moi, je viens accuser quelqu'un d'avoir violé sans avoir des preuves convaincantes qu'il l'a fait, même devant la loi. C'est de la loi que je parle là. Alors, j'avais donc fait un live pour montrer aux gens que moi, j'ai des éléments sur un autre cas, qui était le cas de l'argent. J'ai apporté des éléments que j'avais, j'ai amené les gens qui avaient parlé dans ce sens-là. Et c'était clair que voilà ce qu'il y avait à faire. Maintenant, si après, les gens ne veulent pas prendre le problème à bras le corps et résoudre les problèmes, ce n'est pas à moi de le faire. Parce que, comme je vous ai dit, mon travail, c'est de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, je déclare aussi. Et il y a quelque chose aussi que je ne peux pas accepter, c'est que on n'ait pas résolu un problème au Cameroun. On a résolu un problème parce que avant que toi et moi ne fassions ce live qu'on est en train de faire, le Cameroun, depuis 1982, n'a jamais osé vraiment faire une révolution comme ce que nous avons mis sur pied en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Il faut reconnaître ça. Maintenant, le conflit que tu... Je refuse pas ça. Je veux dire, Oui. par Maintenant, le rapport à conflit entre l'émission. la base, le conflit de leadership dont tu parlais, ça, c'est un point très important. Le conflit dont tu parlais entre la base et corps, c'est ça que tu disais. Oui. La basse corps CCD, je suis comme toi dans tout ça. J'étais pas suivie, hein. Ton micro, c'est comme ça dérange. Ton micro dérange, Steve. Oh, voilà, je le suis pas. Les commentaires de là. Allô? Non, je ne te suivais pas, Steve. Oui, je Je n'ai sais rien pas pourquoi. suivi, Je je sais t'ai pas dit pourquoi, ça. mais Ton mon. micro, a. Je disais ceci, je vais reprendre un peu. Je disais ceci. En réalité, Oui. il n'y a pas de conflit entre ces parties-là, ces groupes, ces mouvements-là. Le seul problème qu'il y a en réalité, c'est la mentalité des personnes qui n'arrivent pas à travailler avec leurs frères. Il y a des personnes qui sont égoïstes, il y a des personnes qui veulent être centre de tête, parce que ce que je veux te dire, c'est que tout le monde ne fait pas la lutte pour les mêmes objectifs. Il y en a qui font cette lutte parce qu'elles espèrent qu'à la fin de cette lutte, le professeur Maurice Kamto va sortir de prison et va dire que c'est grâce à toi que je suis dehors. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans cette lutte qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire, parce que ça ne consiste que à détruire le mouvement que nous avons mis sur pied. Et la meilleure solution, c'est quoi? C'est de parfois s'asseoir et de Est-ce que faire je peux parler, sortir. Steve? Je peux te couper une minute, Steve? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai dit ceci. Moi, je veux dire c'est faux parce que déjà, hein, le professeur Maurice Kamto, Oui. lui, avant même de poser même sa candidature, avant de faire sa campagne, il avait regardé tous les angles. Et je pense qu'il a choisi le bon moment pour sortir et se présenter au Cameroun. Parce Oui. que ça fait 20 ans qu'il a écrit L'urgence de la pensée. Ça fait 20 ans. Donc, ça fait 20 ans, il savait qu'il devait avoir l'évolution parce qu'il voyageait partout dans le monde. Il regardait tout ce qui se passait. Et il avait déjà observé et il savait à quel moment il pouvait mettre sa candidature pour que les Camerounais se réveillent,
parce qu'ils savaient que après, la technologie pouvait être là pour faciliter la tâche de bien se défendre. Et c'est sur ça qu'il s'est basé. Donc, il a fait et il savait que les Camerounais maintenant pouvaient se lever. Pourquoi en 2011, alors, il ne s'est pas présenté? Ou c'est en 2012 qu'il y avait élection? Il s'est présenté en 2018 parce qu'il savait qu'avec la technologie et tout, on pouvait se parler et il pouvait réveiller les Camerounais. Et il nous a réveillés. Donc, tout ce qu'on dit que peut-être les autres auront... Personne n'aura un poste. Non, mais personne n'aura un poste, que ce soit n'importe qui, même c'est le général Wanto, même c'est le général ceci-là, personne n'aura un poste. Et que ça entre déjà dans la tête des combattants. On s'est levé, c'est pour sauver les millions de Camerounais qui sont restés là-bas au Cameroun. Et nous nous battons ici pour ceux qui sont restés là-bas au Cameroun, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent même pas aller à l'école. Aujourd'hui, on est en train de tuer les noms au sud de son nord, ils ne peuvent même pas en revendiquer. Ce que je tente de te dire, on est en train de parler de deux choses différentes. Ce que ça veut dire, je t'explique pourquoi est-ce qu'il y a le niveau dans cette lutte. Maintenant, ce que tu dis, c'est le point de vue du professeur M. Kamto. Mais dans la tête des gens, crois-moi, c'est qu'ils veulent avoir des postes au Cameroun. Je vais te comprendre. Au Cameroun, par exemple, il y a des dossiers, des personnes qui sont dans cette lutte, certaines personnes. Le moment va arriver où il va falloir qu'on donne les noms. Il y a des personnes qui ont demandé des postes ministériels au Cameroun. Ça veut dire des personnes qui veulent être des ministres au Cameroun. Mm-hmm. Dans cette histoire de transition, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une vieille affaire. Mais parfois, quand on a une information, on n'est pas obligé de juste la faire sortir n'importe comment. On laisse parfois les gens présents de comprendre qu'ils sont dans le tort et on les appelle parfois par derrière pour essayer de discuter avec eux, comprendre ce qu'ils veulent vraiment quand ils parlent de transition. Mais ce qui se passe, c'est que nous, moi particulièrement, j'ai discuté avec ces personnes et ces personnes, ce qu'ils entendent par transition, c'est qu'eux, ils veulent juste profiter de la position du professeur Kamto. Et c'est la même chose même dans certaines personnes au sein même du parti politique du MRT. On le sait. Mais maintenant, pour la base particulièrement, c'est que les gens doivent prendre la position qu'ils ont dans le mouvement pour s'imposer comme généraux, capitaine, chef de tout, maréchal et tout, parce qu'ils veulent être ceux-là qui portent le mouvement en général. C'est ça le vrai problème. Maintenant, nous autres, notre devoir, c'est quoi? C'est de savoir que ce n'est pas ça. On les oublie totalement et on se concentre sur l'essentiel. Tout au long de cet entretien, je vais vous proposer et vous dire une proposition que j'ai eue de quelqu'un qui suit parfois nos lives et elle m'a proposé quelque chose d'extrêmement intéressant et je suis en train de réfléchir dans quel contexte je vais appliquer ça. Vous allez voir que ça fonctionne. Dans beaucoup de trucs qui se passent au Cameroun, il y a des décisions comme ce qui a été fait aux États-Unis. Ce sont des réussites très difficiles. Avec la reine Basse, nous avons parlé, avec des députés français, allemands, nous avons parlé, avec des députés des pays européens, nous avons parlé. Mais le problème, c'est que quand tu réussis à parler avec ces personnes et que tu expliques à d'autres Camerounais qui sont dans la vie comme toi et qu'eux, ils essayent par derrière de partir voir les mêmes députés pour qu'ils soient au centre des résolutions qui vont être prises, là, c'est un problème d'orgueil, c'est un problème de liberté. Parce qu'ils veulent absolument apporter des victoires. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. C'est pas trop mauvais. Pourquoi c'est pas mauvais? Parce que si aujourd'hui on a des personnes comme Kamwa la Panthère qui revendiquent et qui représentent un certain charisme dans cette lutte, on a des personnes par exemple comme celui dont tu as parlé, elle chez nous, on a des personnes par exemple comme on a une voix, n'importe qui. Toi-même par exemple, tu peux être un symbole de la révolution. Maintenant, si chacune de vous là décide de se présenter, de devenir le meilleur révolutionnaire de nous ici en Europe, vous aurez 6 personnes qui vont être des leaders purs. Toi, tu vas faire tes actions. Tu vas vouloir qu'on ne voit que toi. Pour ça, il va falloir que tu fasses des résultats. Mais le problème dans notre révolution, c'est que les gens ne veulent pas faire des résultats, mais ils prennent les résultats des autres pour faire des résultats des autres, leurs résultats. Donc, c'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que c'est un leadership, un conflit de leadership entre le mouvement corps, la basse, et je suis Kamto et le CCD. Non, c'est parce que les uns prennent les victoires des autres pour les leurs.
Je vous avais expliqué lors d'un live que depuis que la basse est née, la basse n'a jamais organisé une marche. Parce que la plupart des marches sont financées par le CCD. Mais personne de vous n'était au courant de cela. Et ils n'ont jamais voulu que quelqu'un soit. Oui, j'étais au courant. Ouais, tu étais au courant, mais beaucoup n'étaient pas au courant. Et quand j'ai dit, ça m'a pas eu des problèmes. J'étais au Donc, courant parce que voilà. Je suis dans la lutte dès le premier jour. Quand les gens sont en train de vociférer, comme certains disent, moi, mm-hmm. je rigole seulement. Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis sortie pour quelqu'un. Donc, oui. je ne vais pas trop me mettre en avant parce que je ne peux que rester derrière celui que je suis sortie pour lui. Et c'est ce mm-hmm. que je trouve le plus beau. Donc, c'est pour ça que je suis sortie. Oui. Parce que chaque chose, chaque personne était à sa place dans oui. tout ce qu'on peut faire dans la vie. Donc, c'est ce que oui. moi, je me dis. Mm-hmm. Okay. Je comprends clairement. Donc, ce que je tente de vous la dire, en fait, c'est que ce que je tente de dire... Ce que je sens de tenter de dire, c'est que peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas changer le cœur de ces gens, de ces personnes. Si on prend l'exemple même de moi, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir encore m'éduquer, m'amener à comprendre que je ne dois pas être égoïste, m'amener à comprendre que je ne dois pas être orgueilleux? Aujourd'hui, si je crois que j'ai dépassé l'âge où on peut encore m'amener à comprendre ce que c'est que le Cameroun, j'ai dépassé l'âge où on peut venir encore m'expliquer comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis des Camerounais. J'ai dépassé cet âge-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'on est dans une lutte où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Tu as des Camerounais dans cette lutte qui sont en Europe, qui n'ont pas de papier, qui ne mangent pas bien, qui ne dorment même pas sous un toit, qui ont des problèmes sérieux, des problèmes que toi et moi peut-être n'avons pas. Tu vois, moi, par exemple, même si je fais comment, je n'aurais pas un problème de logement en Europe parce que j'ai une autre condition. Mais alors, au lieu donc que certaines personnes donnent la possibilité à ceux qui ont certains avantages, qui travaillent, qui ont un matricule, qui ont une sécurité sociale, qui ont tout ce qu'il faut, ou qui utilisent leur matricule parfois, leur répertoire, et attirer par exemple le lobbying, il y a d'autres personnes qui n'ont aucune expérience dans le domaine, mais qui veulent forcément, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut savoir pour un projet politique, une demande d'assistance politique. Mais il y en a qui vont vouloir toujours le faire en écrivant. Ils vont totalement écrire des choses qui ne produisent rien. Et c'est comme ça que c'est le mouvement qui va être... Quand on va dire non, ce ne sera pas la personne, mais c'est un autre mouvement qui va dire non. Donc, le problème, c'est que c'est l'imposture. Ça que je disais, c'est l'imposture. Il faut faire comme au Cameroun, mettre des personnes clés à des postes clés. Et si tu vois les gens que je donne quand je dis sur ma chaîne, j'ouvre ma chaîne pour que ceux qui communiquent dans le domaine de la culture, de l'agriculture, de la politique, de la société, qu'ils viennent le faire. Parce que je ne veux pas parler. Moi, je suis par exemple spécialiste en communication et en politique. C'est mon domaine. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis spécialiste en politique. Je ne peux pas dire que je suis spécialiste en économie. Ce n'est pas mon domaine. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire quelque chose là. Mais je préfère laisser la place à quelqu'un qui l'a fait, qui l'a appris, de venir le faire. C'est un peu ça qui se passe dans notre lutte. Mais je ne veux pas passer le temps à tirer sur cette lutte. C'est pour ça que je dis le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on a des personnes qui ont échoué, mais pas parce qu'elles ont échoué que nous aussi, on va se mettre à se dire, voilà, ils ont échoué, nous, on ne fait plus rien. Non. Chacun d'entre vous est le leader de cette révolution. Toi-même, tu es le leader de cette révolution. Donc, ne voyez pas la lutte comme étant la lutte de Echenou, la lutte de Stevie, la lutte de Mars, la lutte de... Non. C'est votre lutte d'abord à vous. Donc, si les gens que vous êtes commencent à dire on ne veut plus, vous partez sur les lives de par exemple Calibri comme un seul homme, on veut que vous essayiez, que vous trouviez des solutions pour vos problèmes, vous le dites dans tous les lives que vous partez, je crois que tous vont vous écouter. Parce que je crois que s'ils disent qu'ils pourront ouais, je pense que c'est clair qu'ils pourront accepter ce que les Camerounais disent. Ouais, je pense que Steve et Peter vont s'équiter sur ça. Il est temps que tout le monde. Et ce que moi-même, je voulais même, c'était de faire... pas qu'on appelle... On appelle tous les Camerounais qui peuvent s'asseoir et réfléchir parce que c'est urgent. Ça, c'est vraiment urgent. Il faut qu'on finisse avec ce que nous, on a commencé. Et sans vraiment vanter tout ce que nous avons fait pendant ce 7 mois ou 8 mois de lutte, franchement, j'ai dit chapeau à tout le monde parce qu'on était tous nombreux, on était tous des Camerounais de tous les bords,
qui sortaient de partout dans le monde. Et on est sorti, on a fait beaucoup avancer les choses. Et il faut qu'on continue sur ça. Et il faut qu'on arrête les guerres. Et que franchement, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour que tout ça, ça finisse, que notre président élu quitte des prisons et pas diriger le Cameroun, pour que le Cameroun soit émergent, comme on parlait à l'époque quand Paul Biya voulait nous emballer. Il dit le Cameroun serait émergent, on attend 10 ans, le Cameroun serait émergent, on attend 10 ans. Alors, aujourd'hui, on est déjà à 37 ans, donc c'est ce que je vais... C'est ce que je veux dire aujourd'hui. À l'horizon 2037, à l'horizon 2035. On ne sait pas si va vivre les deux prochaines années. Et on croyait, donc c'est ce que vraiment on veut aujourd'hui. Steve lance un coup de gueule, dit à tout le monde, il est temps qu'on s'assoie, on réfléchit comment, franchement, et on avance. Okay. Nous sommes là, nous, on est là au Cameroun. Nous sommes là ici, même au Cameroun, ils attendent que ça. Oui. Ils attendent que ça, qu'on en finisse avec tout ce qu'on a fait. On n'a jamais fait ça dans un autre pays. Un autre pays, que ce soit africain, tout ça n'a jamais fait ce que nous les Camerounais, nous avons posé comme acte. Donc, on a posé, on a vu, et ça va rester dans l'histoire. Et il faut que l'histoire soit belle tout le temps, parce qu'il y a toujours les dégâts entre nous. Merci et bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Pardon, avant que tu ne partes, je vais te faire une proposition. Avant que tu ne partes, je vais te proposer quelque chose. Ce que je peux te proposer, c'est que en tant que quelqu'un qui suit la révolution de près, tu peux juste prendre un jour ton clavier ou bien ton téléphone, tu fais une lettre ouverte à la base au mouvement corps, au mouvement CCD, tu leur dis que toi, en tant que Camerounais, tu attends d'eux, tu postes sur leur page. Ils vont lire ton message. C'est un exemple simple de ce que je peux faire. OK. Ouais, je pense que je vais le faire. C'est très, très important. Il faut qu'on avance ce combat. Et j'embrasse tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi. Porte-toi bien. Donc, j'espère que le son est devenu meilleur maintenant. Fallait qu'on me dise comment le son est devenu. Ça s'est amélioré. Parce que c'est l'une des rares. Ça fonctionne. J'ai utilisé le premier ici, ça n'a pas fonctionné. J'ai utilisé le deuxième qui n'a pas fonctionné. Le troisième qui n'a pas fonctionné. Maintenant, j'ai utilisé un microphone qui pèse même plus que mon sac à dos. Donc, ça que j'utilise maintenant. Et j'espère que ça va fonctionner. Hein. J'espère. Ça ne fonctionne pas là. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien d'autre. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent prendre la parole, j'ai dit le micro est ouvert. Vous pouvez prendre la parole. Avant qu'on ne continue, il faut donc que je fasse un petit bref rappel. Je disais ceci, il faut que vous compreniez que dans cette lutte que nous avons engagée, il y a des personnes qui ont besoin du minimum vital. Parce que l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe, ce n'est pas un endroit où, parce que tu y vis, tu as forcément le milliard. Non, l'Europe, c'est un espace où les gens ont des problèmes. Des Camerounais souffrent en Europe. Nous, parfois, quand on voit des Africains, des Camerounais particulièrement ici, qui ont des problèmes d'argent, des problèmes d'argent sérieux, on a mal. Parce qu'on sait que c'est la chair de notre chair. Et un monsieur qui a faim peut accepter n'importe quel genre de deal. Un monsieur qui a faim peut se plier aux quatre volontés de quelqu'un qui va lui proposer de l'argent. C'est pour ça qu'on veut des personnes dans cette lutte qui sont des personnes fières. Des personnes qu'on ne peut pas acheter. Des personnes qui, même si on leur propose le million, de ce mouvement, c'est la mentalité des personnes qui n'ont pas une conviction claire par rapport aux raisons qui l'ont amené dans cette lutte. Et c'est pour ça qu'on leur donne les informations suffisantes pour que chaque jour, ils comprennent qu'ils ne sont pas dans le mauvais côté et qu'il faut qu'ils soient aussi intègres que le gouvernement qu'on veut critiquer. Bonsoir. Bonsoir, Stevie. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Je suis là pourtant tout le temps. Parfois, je demande même à prendre la parole, mais peut-être que tu ne vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dis que je pensais que les querelles étaient passées après le succès de Genève. Oui. Je suis
suis surprise de voir qu'on remet encore tout sur la table, alors qu'il y a même quelque temps, c'est tout le monde qui était d'accord qu'on arrête avec tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? C'est dommage parce qu'actuellement, il y a des clans qui se forment et on fait et on défait certains. Mais j'ai suivi tout à l'heure aussi le direct de Kanwa la Panthère. Je l'ai pris de court. Et je ne sais pas un peu, en fait, je suis un peu dépassée parce que à la fin, je ne sais pas si ça mobilise ou si ça démobilise même. Je crois que quand on fait ça, c'est bel et bien beau de dire non, il faut en parler, il faut en parler, mais je crois que comme l'intervenante de tout à l'heure, il faudrait peut-être convoquer les États généraux d'un dialogue inclusif. Parce que là, nous sommes aussi déjà dans les clans, les groupes. Il faut faire peut-être un dialogue inclusif et qu'on puisse tirer les choses au clair. Bon, le problème n'est pas le nombre de groupes qu'on a dans la révolution ou bien la spécificité de chaque groupe. Le problème, c'est que ensemble, nous pouvons main dans la main atteindre de grands objectifs. Quels que soient les noms des groupes et quels que soient les personnages ou alors les leaders de ces groupes. Ce que je voudrais encore dire, c'est que il faudrait qu'on sache que la révolution, c'est comme une famille, c'est comme les doigts de la main. Nous sommes différents de par nos opinions. On a la base commune, hein. La base commune pour beaucoup d'entre nous, c'est le hold-up électoral. C'est quant au président du Cameroun, parce qu'on a une élection qui a été volée par le dictateur. Et si nous parlons de justice, la justice voudrait que c'est Kamto qui dirige le pays. Donc ça, c'est la base commune. Maintenant, petite différence, par exemple, sur les approches, comment le faire? Comment faire que Kamto rentre, prenne le fauteuil présidentiel et qu'il dirige le pays? Faut-il le faire par la force des armes? Faut-il le faire par les marches pacifiques? Faut-il le faire par la diplomatie? Faut-il de temps en temps les opérations coup de poing pour que les gens en parlent? Faut-il? Ce n'est que ça qui nous diffère, quoi, qui différencie les groupes des uns des autres. Il y a des groupes qui pensent qu'on va y arriver pacifiquement. Il y en a qui pensent qu'on va arriver par la voie de la diplomatie. En fait, c'est une forme de diversité. Mais vraiment, les querelles intestines, là, je ne pense pas que ça sensibilise vraiment. Il faut qu'à un certain moment, on arrête tout ça. Personne n'est seul. Nous ne sommes pas des dieux. Nous tous, tout le monde, quand moi j'essaie de recouper un peu, tout le monde a fait des erreurs à un certain moment. Si on se met là à dire que toi tu as fait ceci, parce que tout à l'heure, quand moi la panthère disait que. Où était Kemta à l'assaut de Genève? Kemta est venu après. Où était Diff Dimeni? Où était-elle? Où était-elle? Je veux lui dire de faire attention. De faire Mais attention. Vous pensez que qui tient cette révolution? C'est tous les Camerounais qui tiennent cette révolution. C'est toute la tu sais diaspora. ce que La Kamwa dit. diaspora. Il faut que tu comprennes ce que Kamwa dit. Ce n'est pas un enfant. Ce qu'il dit sont des propos qu'il assume. Allô? Mais je ne peux pas prendre la responsabilité des paroles de quelqu'un. C'est pour ça Allô? qu'il dit que ce sont des adultes. Oui, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. T'es coupé là à un Oui. certain moment. Je dis ceci. Je dis que ce que Kamwa dit, La c'est que. diaspora à l'étranger joue un très grand rôle dans cette révolution. La Oui, toute mais. première Tu m'écoutes un peu, écoute-moi une seconde, pardon. Ce que je dis, c'est que ce que Kamwa dit, ce que Betty dit, ce que Kalibri dit, ce que toutes ces personnes-là disent, sont des propos que des adultes disent. Et ils assument leurs propos. Parce que parmi eux, personne ne dit que. Personne ne vient dire Stevie voulait dire que. Je ne peux non plus dire que eux, ils voulaient dire que. Donc, ce qu'ils disent, ils assument ça. Mais honnêtement, moi, je vous assure, je ne vais pas entrer dans ce genre de débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Parce que j'estime qu'ils sont assez grands. De dire qu'on veut avoir le leadership d'un mouvement comme celui que nous avons aujourd'hui, c'est dire qu'on pèse les conséquences de toutes les actions qu'on mène.
On ne dit plus les choses seulement parce qu'il faut les dire. On ne fait plus les choses seulement parce qu'il faut les faire. On fait ça aussi en tenant compte parfois même des conséquences lointaines. Mais si ce n'est pas fait, c'est à chacun qui dit, chacun qui fait ce qu'il fait, de réfléchir et de peser le pour et le contre de ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas venir faire le débat, le procès de quelqu'un ici. Moi, j'ai dit, ce qui concerne de près ou de loin ce mouvement-là, je ne parle plus d'eux. Mais en tant que communicateur, je peux donner mon point de vue, mais je ne peux pas refaire la morale à ces personnes-là. Je n'ai même pas envie. C'est un peu ça que je peux dire là-dessus. C'est un Oui, peu mais c'est ça. moi qui parlais. Je disais donc, je ne parlais pas avec la bouche de quelqu'un. Je parle bien avec ma bouche et j'assume. Je dis bien, ce n'est pas la première fois. Je constate que dans ce combat, il y en a qui voudraient minimiser le rôle des autres. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je ne suis pas là pour faire des commérages. Je dis, ce n'est pas la première fois. Mais s'il faut parler même de qui tient la révolution, c'est l'Allemagne qui donne le ton avec la première marche organisée par un groupe qui s'appelle 36 ans, c'est trop. La marche même où beaucoup de gens ont vu pour la première fois le général Elche. Ce n'est pas lui qui avait organisé cette marche-là, c'est le groupe 36 ans, c'est trop. Mais ce groupe-là, vous n'allez jamais voir les gens venir prendre le micro et parler. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et sérieusement. Donc, les gens qu'on voit, qui s'affichent, qu'on voit tous les jours, ferment bien leur bouche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et ce sont même les vrais révolutionnaires. Parce qu'ils ne profitent pas de la révolution pour se créer un nom. Ils ne profitent pas de la révolution pour se faire voir. Ils travaillent pour le peuple camerounais et ils sont les plus calmes, les plus humbles. Donc, ces gens-là qu'on voit tous les jours dans les directs et dans les journaux ferment leur bouche. Chacun a son rôle dans la révolution. C'est comme les 5 doigts de la main. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont petits, il y en a qui portent les bagues lors du mariage. Tout le monde a sa place dans la révolution. C'est tout le peuple camerounais qui est leader de cette révolution, autant qu'il peut s'impliquer. Donc, que ce soit les sans-papiers qui fassent les occupations coup de poing, il faut avoir du courage pour le faire. Quand on connaît des gens qui ont même les papiers, qui ont même la citoyenneté, mais qui ne prendraient pas le risque de le faire. Que ce soit Sibafo qui va à l'intercontinental et qui donne de sa vie là-bas, qui est prêt à mourir pour son pays et que quelqu'un va se lever et le traiter d'handicapé. Moi, je dis, il faut qu'on arrête tout ça. Chacun a son rôle. Nous sommes tous des leaders. Oui, mais Arrêtez tout ça maintenant. c'est ça que je dis. Écoute-moi une seconde. Ce que je dis, c'est que je ne veux pas que ma page devienne l'espace de procès pour ces personnes-là. Celui qui a dit qu'il était handicapé, il a une page. Moi, j'aimerais que vous parliez avec ces personnes. Celui qui a dit que ces personnes sont des révolutionnaires, peut-être des révolutionnaires de deuxième zone, il a une page. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Je ne veux pas être celui qui va venir dire, ou bien celui par qui les gens vont venir dire ce qu'ils veulent dire. Donc, ce que je dis en d'autres termes, c'est que si Bafo, je le connais personnellement, quand on lui a dit ce qu'on lui a dit, il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas informé, on n'a pas parlé de ça. Il a mon numéro, il me connaît. Donc, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Donc, ce que je dis, c'est que je ne suis pas l'avocat de quelqu'un, mais j'estime que chacun dans ce truc a aussi sa part de pierre qu'il a posée. Mon défaut dans ce combat, c'est que j'ai trop vite fait confiance aux personnes. Et d'autre part, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de vouloir. Il y a toujours une création d'un clan. Parce que dans ce que tu dis, quand tu dis par exemple que c'est l'Allemagne qui donne le ton, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est la même chose que d'autres personnes ici disent non, c'est la France qui donne le ton. D'autres disent, ça fait que ça devient un conflit qui n'en terminera jamais. Par contre, si nous tous on se bat pour que. Et ceux de l'Allemagne, et ceux de la France, et ceux de la Belgique, de l'Angleterre, de partout se rencontrent. On est un peu obligé de prendre des avions. Il y a des applications aujourd'hui avec lesquelles on peut faire des vidéoconférences où on discute clairement. Mais si on n'est pas capable de s'asseoir et discuter, comment est-ce qu'on peut critiquer un gouvernement qui, depuis près de 37 ans, a fait qu'un seul congrès des ministres, un seul sommet, une seule rencontre ministérielle, un sommet ministériel? Donc, c'est la même chose que nous on fait ici chez nous. Je suis d'accord avec ce qui est passé tout à l'heure. Parce que c'est toujours un conflit de leadership. Les gens vont vous dire, c'est nous qui avons fait ci. Nous étions les premiers à faire les marches. Nous avons fait ci. Mais depuis que nous avons fait ça, c'est les actions cumulées là, de la marche de Berlin
C'était le 27 novembre, je sais, je ne me trompe pas. La marche de Berlin, la marche de Paris, la marche 18, la marche des États-Unis, toutes ces marches cumulées là, qui font que la révolution fasse un seul pas vers l'avant, pas 50, un seul. Mais on a des personnes aujourd'hui qui sont en train de faire des directs de près de 2 heures de temps pour saquer d'autres mouvements. C'est pour ça que je ne peux pas me jouer à ce jeu. Je ne peux pas me mettre dans ce jeu-là, de venir parler mal de telle personne ou de telle autre personne. Non. Si quelqu'un vient et qu'il parle mal d'une personne ou d'une autre personne, la seule chose que je peux faire, c'est que je dis, j'organise une rencontre où j'invite et la personne dont tu parles et je t'invite toi-même, vous vous mettez ensemble et vous discutez parce que en discutant vous deux, vous allez comprendre ce que vous avez l'un contre l'autre. Et nous qui regardons en tant que personne extérieure, on va aussi en tirer nos conclusions. Donc, si c'est que tu veux avoir un entretien avec quelqu'un qui a dit quelque chose concernant la dynamique de l'Allemagne, tu me dis son nom, j'essaie de voir comment je peux me rapprocher de la personne et négocier un entretien ou bien un tête-à-tête avec lui. Voilà ce que moi je peux faire. Je reste dans mon domaine de la communication. Oui, mais tu es dans ton domaine de la communication. Mais lorsque tu dis l'antenne est libre, chacun peut donner son point de vue, on va dans ton sens. Je t'ai écouté longtemps parler et tu as parlé des problèmes qui minent la révolution et j'ai donc juste voulu donner mon point de vue. Sylvie, on s'est déjà rencontrés, on a travaillé un peu ensemble une fois, donc tu connais très bien ce qui se passe dans la révolution. Je n'ai pas à te donner le nom de telle ou telle personne. Je voudrais juste dire que les vrais combattants sont dans l'ombre et que ceux qui ont déjà l'image arrêtent avec les guerres du leadership. Parce que s'il faut parler leadership, ce n'est pas d'eux qu'on parlerait. Ça, c'est mon mot final. Voilà. Les leaders sont dans l'ombre, ils ne se montrent pas et ils sont là et tout le monde les connaît. Quand quelqu'un dit Diouf a fait quoi? Diouf est parti à Genève le mercredi après Tajo, qui était là le mardi, et Diouf s'est cassé deux côtes. Mais venir parler que Diouf a fait quoi? Que quand moi la Panthère fasse un direct et dise que Diouf a fait quoi, je ne trouve pas ça bien. Mais je voudrais juste dire que les vrais leaders même ne s'affichent pas tous les jours, ils ne sont pas là pour faire les directs tous les jours, ils ne jugent pas les gens. Ce qui les intéresse, c'est le peuple camerounais et ils sont dans l'ombre. Donc, bonsoir, c'est ce que je voulais dire. J'ai compris. Merci encore pour ton intervention. OK. Bye bye. J'espère que c'est clair Il y a, je n'aime pas la manipulation. C'est quelque chose que c'est quelque chose que je n'aime pas. Et ça veut dire que dans ce mouvement, il y a beaucoup, depuis un certain moment, et je vous avais dit que les gens sont en train de se clasher, sont en train de se casser du sucre dans le dos. C'est comme ça que les choses marchent. C'est normal, même chez les Européens. Ce n'est pas typiquement camerounais. Non, c'est dans tous les milieux sociaux. Dans le travail, il y a ce qu'on appelle la jalousie professionnelle qui conduit à ce genre d'action. Par contre, le plus important dans ça, c'est le rôle qu'on accorde à chaque personne. Maintenant, si on se bat parce qu'on veut être leader, leader d'abord, leader de quoi? Il faut que vous posiez la question. Vous avez des personnes qui ont été enseignants quelque part. Vous avez des personnes qui ont fait tout ça et qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle au Cameroun des camionneurs, qui vous disent aujourd'hui qu'ils ont des salaires faramineux. Quand vous regardez les papiers, vous regardez leur salaire par mois, vous voyez, ce sont des messieurs qui touchent 1 000 fois moins que vous. Mais vous n'êtes pas venu là faire un défi sur les réseaux sociaux. J'ai entendu, par exemple, chez nous dire, moi quand je parle, je dis les noms parce que je sais ce que je dis et j'assume. J'ai entendu, par exemple, dire que il y a des personnes comme Fils du Planteur qui auraient lavé sa voiture, comme pour dire que lui, il est un grand, et quand on lave la voiture de quelqu'un, ça veut dire qu'on est son grand frère. Plus à gauche que ça, parce que si vous croyez en Dieu, vous avez forcément lu la Bible, vous avez forcément lu la Bible. Et je vous rappelle que la personne qui lave les pieds de ses apôtres, ce n'est pas les apôtres, c'est ce mouvement qui m'ont dit clairement que elle serait prête même à vendre leur âme au diable. Pas la révolution, au contraire, je vais vous donner un exemple simple. Depuis qu'on a commencé ce clash là, ça a toute personne. Tu m'as connu secondaire, Cyril, juste une seconde, pardon.
Le temps que finit la phrase. D'accord. Depuis qu'on a, depuis le soir du jour où on a fait la sortie pour destituer les genoux, c'est là que tout est parti. Il faut que je passe un live extra pour vous parler de ça. Mais je dis juste une phrase brève comme je l'ai promis à Cyril. Depuis que ça a commencé avec Serge Anango, vous vous rendez compte que les gens ne se sont jamais assis. Je vous dis bien, les personnes qui sont au centre de ces problèmes-là ne sont jamais, n'ont jamais pris le temps de s'asseoir pour le respect qu'ils ont pour le Cameroun et de discuter pour dire au peuple camerounais. On a discuté, on a trouvé un compromis. Mais il y a quelques jours, on a parlé de Calibri et du CCD directement. Ils ont fait des photos pour montrer qu'ils étaient réunis. Vous commencez à comprendre que la réunion, le pardon est quelque chose d'exclusif, d'exclusivement rare dans ce mouvement. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je dis, on aura le temps d'en parler, mais c'est pour ça que je ne veux pas prendre de parti pris. Parce que quand on est dans un mouvement comme ça, il est difficile de faire confiance en quelqu'un. Donc, mon frère Cyril, à toi la parole. Bonsoir déjà, bienvenue encore. C'est bon, tu m'écoutes, Cyril. Bonsoir. Cyril? C'est bon, tu m'écoutes? C'est bon? Apparemment, Cyril ne nous écoute pas. Donc, comme je disais, j'étais en train d'expliquer clairement que depuis qu'on a commencé ça avec, avec les problèmes entre nous, là, ça a commencé à une personne. Après, une personne a créé un camp qui s'est désolidarisé du groupe général. Après, il a incriminé. Ou bien par des personnes qui ont quitté la base. Personnellement, parce que mon opinion, la plupart des personnes ici la connaissent. Mais en réalité, les questions fondamentales que vous devez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que corps apporte, qu'est-ce que corps enlève, à qui profite ce que ça apporte, à qui profite ce que ça enlève. Vous allez comprendre ce qui se passe réellement dans cette lutte-là. Mais je ne veux plus être la personne qu'on met devant pour régler des problèmes. C'est pour ça que je dis, je me concentre dans l'aspect communicationnel. En ce qui concerne cette lutte-là en Europe, maintenant, sur le domaine du travail, sur le domaine du terrain, moi, j'ai mes actions que je mène. Et comme la dernière intervenante, Chasséry, a dit, on sait qui travaille, on sait qui fait quoi. Donc, ça veut dire que pour ceux qui travaillent, on se retrouve dans les mêmes couloirs. Je vais lire leur nom quelque part, ils vont lire mon nom quelque part. On sait que tel était déjà pas ici, tel était pas ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais je dis, je ne peux pas permettre que ma chaîne, ma page soit un instrument qui va permettre d'amplifier ce qui se passe dans ces groupes-là. Donc, je ne vais pas ne vous attendez parce que je viens de faire un live ici pour vous parler, dire que la base a fait. C'est déjà qu'avant que je ne fasse le dernier live qu'il a fait, où je parlais des manquements de ces mouvements-là, je vous avais dit que je ne veux plus que ces personnes m'appellent et que je ne travaillerai plus avec eux d'une certaine, avec une certaine proximité que j'avais avant. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui parce que je reste attaché à mes convictions. Donc, c'est pour dire que la page, c'est une page qui est dans la base créée pour le débat. Créée pour un débat autour des questions qui aident le Cameroun à avancer. Alors, ça veut dire que partant de là, je ne fais pas partie de ces mouvements-là. Ça veut dire que partant de là, je reste un Camerounais au cœur de la polémique, de la situation qui permet au Cameroun d'avancer. Ça veut dire que je me réserve le droit de dire que telle personne a fait telle chose. Telle autre personne a fait telle chose, telle autre personne a fait telle chose. Mais à tout moment, il faut que j'apporte des éléments clairs qui démontrent à suffisance qu'ils ont réellement fait ce qu'ils ont fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il dit jusqu'à aujourd'hui, aucune, même pas le quart du tiers de la moitié de ce que j'ai dit n'a été démenti. Donc, il faut que vous compreniez que si aujourd'hui, je suis dans cette situation où je dis, je ne veux pas avoir affaire à eux, c'est pas ses arrières. On protège ses arrières. L'objectif principal, c'est de libérer le Cameroun, apparemment. Mais pour certaines personnes, il y a des objectifs secondaires et même tertiaires. C'est pour ça que je pense. Et comment est-ce que je marche avec elle? Donc, Cyril, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Sylvie. Comment tu vas?
Non, je vais assez bien. Je vais assez bien. D'accord. Ouais, j'étais en train de suivre. J'étais en train de suivre. J'étais en train de suivre le débat. Je suis au Luxembourg. Et de ce côté-ci, on est en train d'essayer de mettre les choses sur place pour que ça puisse bouger aussi de ce côté, parce qu'autour de nous en Europe, il y a, ça bouge un peu partout. Et il y a que, bon, je suis presque convaincu que tu n'as pas encore suivi beaucoup de mouvements ici au niveau du Luxembourg. Bon, moi, j'étais en Allemagne, j'ai fait longtemps en Allemagne, donc on est en train de vouloir essayer de mettre une structure ici aussi pour que ça bouge ici, vu que la révolution est en train de... Une représentation de la base. Tout ce qui peut participer au combat. Okay. Donc, tout ce qui peut participer au combat. Donc, bon, s'il y a une idée nouvelle, tu peux nous donner, même par rapport à la base, c'est tout. Donc, tout ce qui peut aller converger dans ce sens-là. Je te dis, pour ça, il faut qu'on se parle en inbox. Je suis en contact avec certaines personnes au Luxembourg. Je suis au courant du projet. Et voilà, j'ai une idée de quoi il est question. Ce sera possible qu'on parle en inbox. En inbox, que je peux te donner de plus clairs détails par rapport à cela. D'accord, d'accord. Parce que vu que nous sommes en train de mettre les choses sur pied, il y a peut-être un déficit d'expérience, il ne faut jamais cacher de le dire. Bon, peut-être tu peux apporter ta maudite contribution à la chose. Okay, ouais. Non, volontiers, pourquoi pas. Tout ce qui va dans le sens du commun, c'est clair que... Revenons maintenant à la circonstance du débat qui est en jeu maintenant pour l'instant. Je constate de plus en plus que les gens se plaignent, même au niveau ici du Luxembourg, les gens se plaignent pas de la diaspora. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que les gens cherchent avec le leadership. Pourquoi ce combat de leadership? Parce que on dit souvent que l'incompétence de ta soi-disant compétence peut démontrer l'incompétence de ce qui est. Voilà. Ah oui. Voilà. Peut démontrer ton incompétence. Donc, ce n'est pas en cherchant le leadership face à un combat, face à une situation où chacun se bat pour... Le problème, c'est que les gens n'ont pas encore compris une certaine situation. Si déjà, cette lutte-ci peut faire de manière que les Western Union que tu envoies au Cameroun, si ça peut te permettre au moins d'aller passer ton week-end ou d'aller passer... Voici les périodes de vacances. Mais malgré tes périodes de vacances, tu es obligé d'épuiser un peu de l'argent toujours pour continuer à faire les Western Union. Donc, même si ce combat peut te faire au moins limiter les Western Union, parce que le combat a fait que tu puisses mettre quelques gens au travail au Cameroun, c'est déjà un pas de plus. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un va se lever toujours pour chercher à être leadership. Je ne cite le nom de personne parce que je pense que même la personne qui se lève, il commence à parler des noms de gens, moi, je trouve que ce n'est pas bien. On peut dénoncer pour faire évoluer, mais ne dénonce pas pour détruire. Oui. C'est ça déjà qu'il faut savoir. Mais il y a les gens qui viennent ici, oh, l'autre a fait comme ça, tu cites le nom de l'autre, oh, l'autre a fait comme ça. Si quelqu'un a une idée géniale, portons la personne, il va de l'avant et c'est intéressant. C'est ce qui compte, c'est le but. Parce qu'on est en train de lutter pour un Cameroun niveau, on a c'est ça et ce n'est que ça qui va porter le Cameroun vers l'avant. Ça ne sert à rien de s'entretuer entre nous parce que tu ne viendras jamais si j'ai mon BEPC ou si j'ai mon BAC. Ce n'est pas parce que tu me combats que tu viendras enlever ce BEPC dans ma poche. C'est un diplôme reste à vie. Même dans ton cercueil, tu as ton diplôme. Le diplôme porte ton nom. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de te lutter. Si tu as fait quelque chose, regarde-toi, STV, tu es en train de faire ton débat maintenant. Tu participes à l'évolution de la communauté camerounaise. Pas pourquoi quelqu'un doit venir t'empêcher d'évoluer sur ce plan. Et c'est ça qu'il faut qu'on règle dans notre communauté. Donc, je ne voudrais pas être trop long.
Et c'est tout ce que franchement j'avais à dire. Je vais me préparer, comme je t'ai dit, un déficit d'expérience. Je devais me préparer dans contact, les prochains jours. Mais le contact de la chaîne, tu l'as, non? Le contact est sur YouTube et sur Facebook aussi. Le contact WhatsApp de la chaîne, c'est visible. Ou bien tu me contactes même en inbox. Pour l'instant, c'est ce que j'ai ça. Non, tu vas dans Facebook seulement, tu vas voir la page. Tu vas voir sur mon nom, ah, tu vas voir Stevie. Je vais essayer de voir. Tu cliques là-dessus, tu fais un message comme ça, on va causer en inbox. C'est mieux. D'accord. Bon, okay. Je te laisse une autre personne continuer. Merci beaucoup, mon frère. Okay. À tout autant. Bonne soirée. Merci. Donc, voilà. Je crois qu'on est en train de partir lentement à la fin de cet entretien. Je voulais juste premièrement une vidéo pour introduire Wilson. Et la deuxième partie, c'est que je voulais vous faire comprendre qu'on va se reconcentrer sur la ligne principale de notre chaîne, qui n'est pas une ligne qui est là pour faire dans la vampirisation des personnes, qui n'est pas une ligne qui est là pour parler des personnes dans un certain contexte. Non, on est concentré premièrement d'abord dans les choses claires, les thèmes qui améliorent la compréhension des Camerounais. On a besoin d'une jeunesse forte, on a besoin d'une jeunesse intelligente. On a besoin d'une jeunesse qu'on ne trompe pas n'importe comment. Tout à l'heure, Wilson nous expliquait que les jeunes Camerounais jusqu'à 45 ans, 60 ans même, bon, disons jusqu'à 45 ans pour être plus juste, sont au moins dans les 60% au Cameroun. Ça fait beaucoup. La jeunesse camerounaise est tellement nombreuse au Cameroun qu'on ne sait même plus quoi en faire. Et c'est pour ça qu'il y a la prolifération du banditisme, des mototaxis, de l'informel, de l'insécurité. Et ne parlons pas de ce qui se passe dans la mer. C'est pour que vous compreniez qu'on a besoin d'une jeunesse qui est informée. Par contre, on n'a pas une plateforme qui permet de causer, de faire des débats sérieux. Parce qu'au Cameroun, pour avoir un débat sérieux, il faut avoir un local. Pour avoir un local au Cameroun, il faut payer des impôts libératoires. Ça veut donc dire qu'il faut payer des taxes à une institution qui contrôle ce que vous dites et comment vous le dites. Par contre, on a cette chance-là qu'en ligne, on n'a pas droit, on n'a pas le... On n'a pas à nous casser la tête avec ce genre de méthode-là. Donc, c'est pour ça que je suis revenu à la ligne fondamentale qui était l'espace de référence de débat en ligne pour que nous recommencions à inviter des personnes qui apportent la critique. J'aimerais bien inviter des personnes comme Junior Zogo, inviter des personnes qui ont de la pensée, comme ça qu'on s'asseye et qu'on fasse un débat clair sur des questions sérieuses au Cameroun. Mathias Rekona en Guinée, par exemple, beaucoup d'entre vous veulent quand même lui dire des choses. Vous voulez lui dire des choses. Est-ce que ce serait... ennuyeux que vous ayez un soir Mathias Yukounanguini qui interviendra du Cameroun pour le compte peut-être du RDPC ou bien des intellectuels du RDPC ou ceux qui soutiennent Paul Biya, que vous ayez de l'autre côté de l'antenne le professeur Patrice Ngana, que vous ayez par exemple le professeur comme Franklin Yamsi, des personnes comme ça, vous ayez aussi des jeunes par exemple en Europe qui vont venir défendre la position de la jeunesse face à ces problèmes-là. Voilà le genre de débat que moi je veux maintenant qu'on ait au Cameroun. Je n'ai plus le temps de venir m'occuper des culottes et des petites culottes des personnes qui sont dans cette révolution, parce que j'estime que je suis l'un des plus jeunes de ce mouvement-là. Et je ne veux pas jouer le rôle du père pour les recadrer, non. Ils sont assez grands pour ça. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui était assez prévisible depuis. Et depuis le soir du 18, on avait déjà parlé de ça. Donc, je n'ai pas envie de me répéter longtemps. Donc, c'est pour ça que je me concentre dans ce que j'ai à faire. Et le frère du Luxembourg a parlé. Oui, au Luxembourg, je sais ce qui se passe au Luxembourg. Ce n'est pas le seul pays. En Belgique, il y a des choses qui se préparent aussi. Donc, on est au courant, on est dans ces chantiers-là et on se concentre clairement par rapport aux résultats que nous voulons obtenir. Ce n'est pas pour ça qu'on va venir dire « Oui, parce que nous, on fait ça, les autres font moins. Parce que les autres font moins, ils ne sont pas des révolutionnaires. » Non. Quand on est révolutionnaire, la seule chose qu'on met en jeu, c'est sa vie. Et il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre vie. Parce que toutes les vies se valent, on considère donc que nous tous, on a donné le même sacrifice. On a donné le même sacrifice et partant de là, il n'y a aucun super combattant, comme je le dis. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de venir imposer sa pensée à un groupe de personnes. Parce qu'on est dans une région du monde, dans un continent où personne ne travaille pour l'autre. Aucun Camerounais ici n'engage d'autres Camerounais. Parce que si quelqu'un était mon patron, il pourrait me dire que bon, si tu ne fais pas comme je dis, je vais te limoger. Mais ça ne va jamais arriver parce que je travaille pour un Camerounais. Ça veut dire qu'on a la liberté de décider de ce que nous voulons.
Et parce qu'on a la liberté de décider ce que nous voulons, on a aussi la liberté de subir les choix que nous acceptons, de subir la violence qu'on se laisse infliger par d'autres personnes. Parce que si aujourd'hui quelqu'un vient vous dire que vous êtes un pauvre Camerounais, un sans-papier et tout, comme une insulte, c'est parce qu'il s'est rendu compte que vous, ça vous fait mal quand on vous le dit. Même quand on insulte les noirs nègres en Europe, on insulte les noirs nègres parce qu'on sait que quand on dit ça, ils perdent le contrôle. Mais quand on va commencer à comprendre que peu importe ce qu'on fait autour de vous, vous restez concentré sur votre ligne et vous allez seulement de l'avant, on ne vous dérange plus. Voilà comment ça fonctionne. Donc sur ce, je vais vous dire merci pour cette soirée. Merci pour le temps qu'on a pris pour discuter. Je ne fais pas souvent un live à une heure, c'est tardif. Donc il était important que je vous parle, que je sente, que j'échange avec vous, que je vous fasse cette présentation-là. Et que mercredi prochain, on va faire notre tout premier débat. Il y a des personnes qui vont venir. On va discuter déjà de ce qui se passe dans cette révolution parce qu'il faut qu'on lance, on lance de là. Je vais inviter, bien entendu, quelques membres de la base. S'ils veulent bien intervenir, ce serait bon. S'ils n'interviennent pas, on va voir comment on pourra faire. Mais ne vous gênez pas, on ne peut pas manquer des invités. Et la semaine qui va suivre, c'est possible que je vous fasse un direct dans notre pays parce que je vais commencer à me déplacer pour rencontrer des Camerounais qui sont dans l'action dans certains pays. Comme ça, je vais aller les toucher du doigt. Je vais faire des interviews avec eux que vous aurez en direct ici. Et vous pourrez faire des commentaires, des propositions par rapport à des questions, par rapport aux lignes auteurs qu'on va prendre. Maintenant, le dernier point sur lequel je veux qu'on s'entretienne, c'est que j'ai reçu un message dernièrement que je parlais avec quelqu'un qui nous suit vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est une opération qui m'a vraiment intéressé. On est en train de penser opération réseaux sociaux ou bien saturé. On va trouver le nom qu'il faut pour ça. Mais c'est une opération qui était très importante. Parce que depuis que ce mouvement a commencé, le mouvement de la résistance en général, ou bien de la lutte que nous faisons, au soir du 8 octobre 2018, on est resté concentré sur deux canaux. Les deux canaux sur lesquels on est resté, c'est Facebook, c'est YouTube. C'est les deux canaux principaux de notre lutte. Et la plupart des choses que nous avons réussi à réaliser jusqu'aujourd'hui, c'est juste à travers ces deux canaux. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les Camerounais qui sont au pays n'ont pas suffisamment de connexion Internet pour nous suivre sur Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nous suivre au jour le jour. Et c'est tellement important de le dire pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui sont contactées du Cameroun, moi la plupart des personnes qui me contactent du Cameroun, des personnes que je n'imagine même pas, parce que quand je vois, généralement on était, au début quand on commençait on était 20, 30, 40, ça veut dire que j'avais quand même, quand j'écoutais un nom, je savais que ce nom j'ai déjà lu ça quelque part. Mais il y a des personnes dont le nom ne me disait rien. Je me rends donc compte qu'en fait, il y a des personnes sur Internet qui prennent les vidéos que nous mettons sur Facebook, nos lives, et ces lives-là, ils les mettent sur des pages YouTube. Et parce que les Camerounais au pays ont plus l'accès à YouTube, ils revoient donc les vidéos-là sur YouTube. Et c'est comme ça que les gens commencent à se faire connaître. Alors vous commencez à voir des vidéos, vous avez peut-être 20 personnes là. Sur Facebook, vous n'avez pas beaucoup de vues, mais quand vous partez sur YouTube, vous vous rendez compte qu'il y a 10 000 personnes qui ont regardé votre vidéo, vous dites « Ah, bon, je ne savais pas que j'étais suivi comme ça. » Ça fait qu'on vous connaisse plus au Cameroun. Et c'est ça qui expose aussi plus de personnes. Et maintenant, dans ce qu'on voit sur YouTube, c'est ce que le gouvernement camerounais aussi regarde. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps d'aller sur Facebook savoir qui dit quoi. Par contre, quand vous écrivez, je vous rappelle que YouTube et Google sont le même, appartiennent à la même personne. Ça veut dire que quand vous partez sur Google, vous écrivez par exemple Maurice Kamto, vous avez toutes les personnes ou bien des vidéos, des audios, des images qui parle de M. Kamto. Et c'est comme ça que vos vidéos donc, commencent à apparaître dans le moteur de recherche des Camerounais. Et c'est comme ça qu'on commence à noter qui est nuisible pour le gouvernement camerounais. Ça fait donc que voilà comment on commence à se faire connaître. Et je disais ça pourquoi? Parce qu'on est resté calé sur les deux réseaux. Par contre, il y a un autre réseau qui est très important et qui est l'un des réseaux les plus en vogue actuellement. Je dis, je sais que bientôt les autres combattants vont encore me dire que c'est eux qui avaient eu l'idée. Ils ont toujours toutes les idées quand on dit. Il faut toujours qu'on dise pour qu'ils se rappellent que en fait c'était leur idée, comme tout. Donc, je vais le dire quand même. Il s'agit du moteur Twitter. Vous connaissez Twitter. Twitter, avec le président Trump, a doublé d'importance. Les communications politiques, les communications des partis politiques, des organisations, des entreprises, des microfinances, des personnalités, des footballeurs, des sportifs en général, passent maintenant plus par Twitter. Ça veut dire ceci. Twitter n'est pas comme Facebook parce que sur Facebook, vous pouvez partir sur la page de la présidence de Facebook du Cameroun. Vous allez écrire toute votre vie. Ils ne vont même pas lire le message. Vous pouvez partir sur la page de la présidence des États-Unis. Vous écrivez sur Facebook fatigué.
C'est possible que Donald Trump n'entende jamais parler de vous. Mais par contre, le jour que vous allez écrire, par exemple, sur le Twitter de Donald Trump, du président de la République, je vous assure que il va le lire. Parce que même Angela Merkel ici, ce n'est pas quelqu'un qui gère son téléphone. Elle a son téléphone elle-même et c'est elle qui gère son téléphone. Donc, si vous faites un message à Angela Merkel, elle va lire votre message sur Twitter, à condition de parler allemand ou anglais. Alors, ceci veut dire quoi? C'est la stratégie que je donne. Et qui m'a été proposée par quelqu'un, ce n'est pas, je vous le dis bien, qui m'a été proposée par une internaute. Alors, c'est que chacun d'entre nous, on fasse une équipe avec un... Je suis en train de réfléchir sur la bonne stratégie. Je vais vous la proposer certainement dans les jours à venir. On réfléchit sur des groupes de personnes. Des groupes de personnes qui vont devenir comme des virus Internet. Ces personnes vont se concentrer, par exemple, sur la page de l'Allemagne. Ces personnes doivent parler allemand, écrire allemand, normalement. Elles vont écrire des messages par rapport à ce qui se passe au Cameroun et par rapport aux actions de l'Allemagne dans la politique camerounaise. Je parle notamment du financement à travers des entreprises comme le BK, le BMZ, le GIZ, qui finance le Cameroun et qui aide le régime camerounais à survivre encore jusqu'à présent. On va écrire ça à longueur de jour. Si vous le faites, si on a un groupe de personnes, si on a un groupe de 10 personnes qui prennent chacune une heure de temps par jour pour faire des tweets, en une heure de temps, je vous assure, il y a près de 4600 clics sur Twitter par minute. Par minute. Il y a plus même que ça. Donc si chacun prend au moins une heure pour passer ce genre de message-là, je vous assure qu'il y aura une saturation claire avec la thématique Allemagne, Cameroun, sur Twitter. Frau Merkel va lire ça, qu'elle le veuille ou pas. Elle va lire ça. Maintenant, on fait la même chose pour les États-Unis, on fait la même chose pour la France, on fait la même chose pour les pays dont on a besoin de soutien. Je vous assure que ces personnes vont commencer à écouter ce que nous voulons dire. C'est ça qu'on appelle la révolution cybernétique. On va faire notre révolution à la fois sur le terrain, on va la faire avec les marges, on va les faire aussi sur le domaine cybernétique. C'est pour ça qu'on a besoin des personnes qui connaissent l'Internet. On a besoin de personnes dans tous les domaines. Donc, je dis, c'est juste un bref briefing comme ça pour que vous compreniez. Mais je suis en train de réfléchir clairement sur la démarche qu'il faut pour déjà sécuriser des personnes qui vont faire ça. Hein. Deuxièmement, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de mal. Vous pouvez faire ça sur Twitter comme vous voulez. Il n'y a pas une législation qui empêche de le faire. À moins que vous écriviez à une personne en privé et que vous le harceliez. Mais pour qu'il y ait harcèlement, il faut que la personne dise que je ne veux plus parler avec toi et que vous insistiez. C'est l'insistance qui amène à une certaine, comment dire, au harcèlement. Parce que harcèlement, c'est le fait de ne pas accepter le refus de l'autre. Ou bien la sphère privée que l'autre vous met comme étant la limite à ne pas franchir. Donc, il y a ça sur lequel il faut absolument que nous réfléchissions. Et il faut qu'on mette des équipes bien organisées là-dessus, avec des stratégies bien établies. Et ces stratégies, vous les aurez bientôt. Donc, sur ce... s'il n'y a pas de demande de parole, je vais vous dire merci déjà d'avoir accordé ce temps. Il est extrêmement tard. Et merci encore pour le travail que vous faites. Merci pour les propositions que vous faites. Continuez de le faire dans ce sens-là. Par rapport à ce qui concerne les mouvements, comme j'ai dit, ce que vous appelez la guerre de leadership et tout, parce que pour moi, ce n'est pas une guerre de leadership. C'est un conflit entre les Camerounais et leur tête. Parce que dans leur tête, ils ne sont pas encore suffisamment Camerounais pour penser aux intérêts du Cameroun d'abord. Et leur ego en arrière. Donc, je vais pas m'exprimer là-dessus. Je vais éviter dans le futur de m'exprimer là-dessus. Je vais me concentrer sur ce qui est essentiel. Sur ce qui est essentiel à mon sens. Donc, sur ce, je vous dis donc bonne soirée. Pour ceux qui veulent se coucher, couchez-vous, passez une bonne nuit. Rendez-vous donc dans les jours à venir en fonction de l'information, des informations que nous aurons. Mais j'ai dit par rapport aux questions fondamentales que j'ai reçues dans le groupe WhatsApp. Parce qu'il y a un groupe WhatsApp pour ceux qui sont sur cette page, et là vous avez la possibilité de poser des questions directement, là je réponds toujours, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont en contact, qui savent que moi je réponds généralement maximum avec l'intervalle d'un jour, je fais le maximum que je peux pour toujours répondre aux préoccupations de ceux qui me suivent. Donc dans le groupe WhatsApp, il y a des questions qui ont été posées, notamment par rapport à l'intégrité du MSC, par rapport au conflit maintenant qui oppose le porte-parole du professeur Maurice Kamto à certains membres du parti politique qui ne voudraient plus qu'il prenne la parole en tant que tel. Et ce qui en est en train de causer un sérieux problème, parce que vu l'avancée de la situation, c'est possible qu'il y ait une implosion, mais c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on pense, mais personnellement je ne crois pas. Donc comment est-ce qu'on peut lire l'arrivée de M. Sim
du côté de ministre, qu'est-ce qu'on peut en donner comme conclusion? Est-ce qu'il s'agissait d'une transition? Est-ce qu'il s'agissait d'une manipulation d'opinion venant des politiciens et tout, tout, tout? On va faire une réponse là-dessus. Mais comme aujourd'hui, ce n'était pas un live officiel pour parler des problèmes sérieux, j'ai voulu présenter d'abord le prochain membre et je voulais revenir sur cette proposition intéressante que j'ai eue, qui était celle de notre version dans l'aspect de Twitter. C'était assez intéressant, ça m'a assez intéressé. Et pour vous dire aussi qu'à partir de mercredi, donc, nous recommençons avec nos programmes comme vous connaissez, avec notre grand design derrière, où on invite des personnes, on parle sérieusement. Je vais mettre moi-même ma cravate, ma veste, peut-être, je vais essayer de me mettre à jour, je ne vais pas venir en t-shirt devant vous. Donc, je crois qu'on reprend le travail sérieusement à partir de mercredi. Sur ce, au revoir.